Samedi 1er octobre, Jean-Michel Ferry, capitaine depuis la mise à l'écart de Marot et dans les vestiaires de Marcel Lenné. Nantes-Bordeaux, ou le derby de l'Atlantique, 29 980 spectateurs, 2,5 millions de recettes, les jaunes au complet, pour un match fou, fou, fou. Une tête de Nicolas Houédec d'entrée de jeu. Makelele passe l'information. Faute de Sénac sur Loco. Carton jaune au stopper bordelais. Un coup franc pour Nantes. Huard place son mur. Nous jouons la 38e minute. Pignol et but. Premier but de cette soirée, Christophe Pignol. De nouveau un coup franc comme à Nice. Et au ralenti, on s'aperçoit que Zidane dévie le ballon et trompe Gaëtan Huard. Toujours en première période, Laurent Fournier sur la barre transversale. Casagrande était sorti. 1-0 pour Nantes à la mi-temps. Marcel Lenné regagne son vestiaire. Et les Nantais vont revenir dans quelques secondes sur la pelouse pour la deuxième période. Pedros est parti. Pedros à 20 mètres. Il donne à Makelele. Sortie somptueuse de Gaëtan Huard. Coco l'a dit. Vitschke de l'autre côté. Casagrande qui a laissé échapper le ballon du Gary. Qui marque mes buts refusés par Marcel Lenné. Une charge irrégulière sur le gardien de but alors que celui-ci tient le ballon dans la surface de réparation. C'est aussi simple que cela. Au ralenti, la charge de Dugarry lorsque Casagrande a le ballon dans les mains. Nantes mène toujours 1-0. 70e minute à présent, le ballon dans les pieds de Dugarry au pressing. Pedros qui le récupère. Endoram. Pedros qui remonte tout le terrain sur la gauche. Il avait fait l'appel de balle. Pedros qui a vu Houédec. Nantes mène 2-0. Superbe inspiration de Pedros. Il avait récupéré ce ballon. Une passe en or pour Houédec. Le match, croit-on, est plié. Pedros, ballon récupéré par les Bordelais. Zidane au milieu du terrain. Il y a un boulevard. Zidane pour Fofana, entré en jeu quelques secondes auparavant. Il a trompé au premier poteau Casagrande. 2-1. Prunier, Dutuel, Dugarry, Dutuel, Zidane. 2-2. Nous appellerons cela le syndrome de Martigues. Pedros. Grand pont de Pedros. En retrait, Endoram manque la frappe. Houédec, faute. Faute de Crossi. Penalty. Indiqué par l'arbitre de la rencontre. Huard insulte Monsieur Lenné. Carton rouge. Huard quitte le terrain. Pérez entre en jeu. Il n'a toujours pas touché un ballon. Et il va devoir arrêter un pénalty à la 90e minute. Endoram. Nantes mène 3-2. Rebondissement incroyable. En cascade, Nantes menait 2-0. Retour de Bordeaux 2-2. À la dernière seconde, 3-2. Nantes va l'emporter, pense-t-on. Transversal, Lizarazu. Dugarry, 3-3. L'un des plus beaux matchs de la saison à la Beaujoire. Tony et Suodo s'embrassent. Dieu, que ce fut magnifique. Il faut qu'on ait une petite remise en cause parce qu'on avait tué le match à 2-0 et on s'est trop relâché. Je crois qu'on s'est mis en difficulté tout seul
va falloir y remédier dès le prochain match au Havre.